Bonjour, bonjour. Je fais une vidéo un peu plus complète pour présenter un peu mieux ma première pièce. J'ai réussi à récupérer la plupart du matos que j'avais besoin pour l'atelier, en occasion, mais il me manquait le plus important, la forge. La ferme. Mais non, la forge, pourquoi la ferme? La ferme ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con? Ok, dac. Bon, bah la suite, alors. Donc j'ai choisi de partir sur du gaz pour commencer. J'ai hésité à m'en fabriquer une, mais j'ai préféré l'acheter neuve. Je me réserve la fabrication de celle à charbon avec cette bouteille de gaz qu'il faudra que j'adapte. Mais je ferai ça plus tard, j'ai encore le temps. Pas si vite! Revenons-en à nos moutons. Quand j'ai choisi le modèle et que j'ai passé la commande, je me suis lancé dans la fabrication d'un support pour l'installer. Ça m'a permis de commencer à me faire un peu la main à la soudure à l'arc, et le résultat est pas joyeux. Oui, ça faut reconnaître que... on n'a pas été... Eh oui, c'est un métier. Faut dire que je me suis lancé dans un montage compliqué avec des tubes plutôt fins. Mais ça, c'est ça, c'est ça! C'est ça qu'on appelle la fastidiosité du quotidien! Finalement, au niveau du montage, j'ai de bonnes bases et je m'en suis plutôt bien sorti vu que j'avais pas fait de plan. Bon, j'ai pas fait de planning, tu vois! Eh non, et du coup, j'ai fait un peu comme ça venait, mais au final, je suis quand même content du résultat. C'est cela, oui, oui, oui. Bon, ça tient et c'est tout ce que je lui demande. Hyper content! La ferme. Et ça suffit maintenant, allez vous faire foutre. Vous dites que j'aille me faire foutre ou que j'y vais? Ouais. Bon, finalement, grâce à tout ça, je commence à maîtriser un peu la soudure. J'ai encore besoin d'entraînement, mais je suis sur la bonne voie. Donc voilà, la forge, elle est montée sur son support. Elle est toute bien, toute belle, toute neuve. Elle est presque prête à tourner. Pour les prochains projets... Parce que c'est notre projet! Je vais alterner entre d'un côté mes débuts en forge à proprement parler, d'un autre la fabrication d'un atelier pour ranger les marteaux et les tenailles. La tenaille quoi? Mais aussi la fin d'un déménagement. Il me reste le matos de bijouterie et ma petite enclume de 150 kg à remonter. Regardez là cette petite enclume fraîchement tombée de l'arbre, prête à être cueillie. Ça y est, j'ai fini d'installer ma forge. J'ai une enclume pour commencer à travailler. Et maintenant, c'est parti. Pour conclure, ça me fait plaisir de vous donner des nouvelles, et je continuerai, que ça vous plaise ou non. Mais dites-donc ! Merci d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et le pouce bleu, ça aide à avoir un peu de visibilité. C'est tout pour cette fois, ciao ciao à plus.